C'est l'émotion. Elle devient la première femme maire de Rambervillers. L'actualité en bref, c'est l'installation officielle dimanche matin en mairie Rambuffetaise et en conseil municipal de Claude Bourdon, dans le fauteuil de première magistrate de la commune, élue par 25 voix sur 29 à l'issue d'un vote à bulletin secret. Pour mémoire, après la révocation de Jean-Pierre Michel par la préfète des Vosges, les électeurs rambuffetais avaient été appelés aux urnes le 21 avril dernier. Et c'est la liste Ensemble Autrement, emmenée par la conseillère départementale d'Hiver Droite, qui avait obtenu le plus de suffrages au premier tour. Claude Bourdon devient ainsi la première femme à la tête de Rambervillers pour un mandat qui va durer 2 ans jusqu'aux prochaines élections municipales de 2026. Durant la séance, on a procédé également à l'élection de ses 8 adjoints. Les enfants et les fleurs pour perpétuer le souvenir de Charmes, ville martyre durant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce jardin qu'une partie de la population fut rassemblée par les nazis en septembre 1944, avant que ces derniers n'incendient la ville. 160 habitants seront déportés, seuls 66 reviendront des camps de la mort. Le groupement des déportés et le souvenir français organisait ce dimanche matin une cérémonie de commémoration dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Élus associations patriotiques, carpiniennes et carpiniens, ils étaient nombreux à participer au devoir de mémoire. Marseillaise, sonnerie aux morts, inauguration d'un mémorial et dépôt de gerbes ont ponctué cette cérémonie. Il était venu parler de l'ORE, un outil juridique qui offre aux propriétaires fonciers la possibilité de créer sur leur terrain des obligations durables de protection de la biodiversité. Benoît Arenstein, notaire en Moselle, animait ce samedi à Remiremont une conférence sur l'obligation réelle environnementale. L'ORE est un acte notarié rédigé pour une durée maximale de 99 ans et qui perdure même en cas de vente ou de transmission des 10 terrains. Objectif pour le collectif des Coquelicots des Hauts-de-Vosges, à l'initiative de cette conférence, sensibiliser chacun et chacune à une meilleure gestion environnementale des espaces, qu'ils soient publics ou privés.